Bonjour, je suis Agnès Desserpris, je suis infirmière en diabétologie à l'Hôtel Dieu du Creusot et je suis ravie de vous présenter la place du soignant éducateur au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Voilà, je suis infirmière depuis plus d'une 25 ans et j'ai un master en éducation thérapeutique. Et puis j'ai aussi la casquette de présidente de la SFD paramédicale. Donc je représente tous les paramédicaux dans le domaine de la diabétologie. Voilà, je suis ravie que vous m'ayez invitée et je tiens à remercier le conseil scientifique représentateur du congrès Diabète ESMARACO 2023 et je suis ravie de participer à cette conférence sur le diabète et la nutrition. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Alors, pour répondre à la question de la place du soignant éducateur dans une équipe pluridisciplinaire, j'ai cherché à définir pour vous les différentes places qui pouvaient exister. J'en ai trouvé neuf que je vais vous présenter une à une, qui vont permettre de faire le tour des différentes possibilités et des différentes places pour les soignants éducateurs. Déjà, il est important, il me semble déjà, de définir que cette place, on la crée aussi au cœur de notre expérience et que cette expérience que l'on va avoir, on va l'acquérir et on va la construire et construire des compétences dans le domaine déjà général du soin et aussi dans le domaine professionnel, dans la relation à l'autre soignant, à l'autre professionnel et surtout. Surtout autour du patient atteint de la maladie chronique. Pouvoir être soignant-éducateur et évoluer au sein d'une équipe pluridisciplinaire, c'est aussi maîtriser le domaine tout particulier de la maladie chronique et ses différentes collaborations. Collaboration déjà avec le patient, qui est multidimensionnelle, et puis une collaboration pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Je m'explique. On peut aussi collaborer autour du patient, entre même soignants d'un corps de métier, mais aussi entre professions, entre médecins, entre infirmières, diététiciennes. Et le patient qui vit avec un diabète, c'est le patient qui gravite autour d'un nombre important de professionnels ou de soignants qui vont interagir avec lui. Donc c'est déjà cette expérience que l'on va retrouver dans la place du soignant éducateur. Et puis l'éducation thérapeutique, c'est aussi répondre au décret 2010 qui détermine qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique, comment ça marche, comment on peut la diffuser et surtout qui détermine les compétences du soignant éducateur. Et dans ces compétences, on va trouver une obligation de formation. Et c'est cette deuxième place que j'ai considérée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est formé, qui a un minimum de 40 heures de formation en éducation thérapeutique, 40 heures qui permettent de maîtriser la systémique de l'éducation. Et puis, on peut aussi parfaire cette formation en participant à un diplôme universitaire ou en obtenant un master en santé publique avec une spécialisation éducation thérapeutique et éducation en santé. Voilà déjà les deux places, une place d'expérience, une place de formation qui sont importantes dans l'équipe pluridisciplinaire. Et puis il y a cette mise en œuvre de l'éducation thérapeutique qui répond à une systémique bien déterminée et bien définie avec la cyclique de la prise en charge qui permettra au sein de l'équipe de déterminer la stratégie éducative et aussi des objectifs de soins avec les outils et les évaluations adaptées à cette stratégie. La systémique de l'éducation thérapeutique, elle reprend le bilan éducatif partagé. On revient sur la collaboration et le partage d'expériences. Le contrat éducatif partagé. On est vraiment au cœur du besoin du patient. Et c'est ce qui va pouvoir. Donc, ce bilan éducatif partagé, il permet de confronter le regard des différents professionnels et du patient, éventuellement de son entourage ou des aidants, afin de déterminer des objectifs au plus précis et puis de construire autour des apprentissages des outils permettant la valorisation et le développement des compétences.
Et pour ça, ensuite, on va déterminer une évaluation de l'atteinte des objectifs et adapter la prise en charge. Et on revient au bilan éducatif partagé. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique de systémique qu'on va tenter de se placer. Et c'est cette place, je dirais, d'éducation, de mise en œuvre de l'éducation, qui, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, est vraiment collée. C'est vraiment éduquer, c'est aussi être en éducation thérapeutique, c'est être en équipe, c'est participer avec l'autre dans la détermination des différentes étapes. Donc c'est essentiel que pour un soignant éducateur que d'évoluer dans une équipe pluridisciplinaire. Et puis un des rôles, une des places du soignant éducateur, c'est de construire. Et c'est déterminant que de mettre en œuvre des parcours d'éducation et de déterminer pour ça les objectifs pédagogiques qui vont répondre aux différentes compétences déterminées par l'éducation thérapeutique, des compétences d'auto-soin qui vont osciller dans les trois domaines, hein, domaine cognitif, domaine sensorimoteur et domaine psychocognitif. Voilà, on va avoir les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir qui vont être développé dans ces différentes stratégies. Et puis, on aura aussi le domaine des compétences psychosociales ou adaptation à la maladie, avec des compétences de sécurité et des compétences transversales. Cette construction, elle s'appuie sur un parcours de soins. Un parcours de soins pour lequel on va proposer aux patients des séances peut-être individuelles, des séances collectives, qui seront présentielles ou distancielles. Il est vrai que la dernière période sanitaire nous a permis de définir aussi des séances d'éducation à distance et de définir le continuum de l'éducation thérapeutique dans ces conditions. Donc c'est la construction qui va être importante, construire entre professionnels, puisque ces différentes séances peuvent être animées ou co-animées avec les professionnels ou avec même des patients experts. Donc c'est un des différents rôles. Ces séances, elles sont indissociables, indissociables de l'évaluation. Effectivement, dans l'évaluation du programme d'éducation thérapeutique, il y a surtout déjà, au cœur de la mise en œuvre des séances d'éducation, les évaluations des apprentissages. En même temps que l'on va mener les séances d'éducation, on va apporter un regard d'évaluation, évaluation des apprentissages et aussi auto-évaluation de ses propres stratégies éducatives. Et puis, on va aussi apporter à un programme d'éducation une évaluation annuelle, évaluation qui est plutôt quantitative et qui va permettre de définir si l'offre éducative répond aux besoins des patients. Et puis, une évaluation quadriennale qui est, elle, plus une évaluation de process, évaluation qui va être multidimensionnelle et qui va permettre d'ajuster encore plus l'offre au secteur, aux professionnels et surtout aux besoins des patients et de leurs aidants. Donc ce rôle d'évaluation, il est anticipé, il est dès la construction, il est transversal. Dès la construction, on va jouer ce rôle d'évaluation en tant que soignant. Et puis on va aussi, peut-être à l'issue de ces évaluations, adapter et valoriser la place de l'éducation thérapeutique dans le parcours de soins, dans la prise en charge. Chez nous, ici en France, l'éducation thérapeutique n'avait pas forcément de valeur dans les séjours de soins. Et aujourd'hui, dans le cadre des hôpitaux de jour, par exemple, l'activité éducative, qu'elle soit menée par une infirmière ou par une diététicienne ou par tout autre professionnel paramédical, peut être valorisée dans l'acte et financée. Donc, on va aussi transcrire ces actes d'éducation qui n'apparaissaient pas forcément dans les comptes rendus de soins et ajustés. Ajustés parce que les patients aussi vont avoir des besoins qui vont être différents selon leurs âges, selon leur profil, selon leur diabète. Ajuster aussi notre offre éducative parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on est dans un mouvement très rapide de changement de nos thérapeutiques avec la mise en place de la boucle fermée automatisée hybride, mais aussi avec de nouvelles thérapeutiques et de nouvelles molécules. Et puis, on a l'appauvrissement des territoires de santé en professionnels de santé et donc on va avoir besoin de construire l'offre éducative et répondre aux différents territoires de santé. Donc c'est vraiment un rôle d'adaptation
et une place qui va être prépondérante dans la collaboration autour de l'équipe pluridisciplinaire. Cette collaboration, elle est constructive et elle se doit d'être innovante. C'est aussi partagé entre les domaines de soins, parce que la maladie chronique, eh bien, ne se substitue pas uniquement au domaine hospitalier, mais aussi au domaine de proximité, avec des territoires de santé un petit peu plus ruraux, avec des maisons de santé de proximité, mais aussi dans les domaines d'évolution, comme les secteurs de santé publique. Je vais penser pour les enfants, par exemple, à la médecine scolaire, pour les gens qui travaillent à la médecine professionnels qu'on va retrouver dans les industries, par exemple, et à la médecine de santé du travail. On va aussi retrouver les structures d'accueil pour les personnes âgées. En fait, ça doit être sociétal, en fait, cette collaboration. C'est ouvrir son regard avec les différents professionnels, ouvrir aussi la porte de l'animation aux patients partenaires et mettre en valeur le savoir expérientiel des patients au sein de l'équipe. Non seulement on va collaborer et mettre en place des innovations au sein de l'éducation thérapeutique dans le domaine du soin, mais également auprès des instances qui vont pouvoir, afin de permettre et défendre la place de l'éducation, la place des soignants, et donc des soignants-éducateurs, au cœur du parcours de soins et au cœur, la prise en charge. C'est vraiment cette collaboration avec multidimensionnel qui va générer et donner place aux soignants éducateurs. On va retrouver aussi des soignants éducateurs beaucoup plus investis et qui vont participer à des recherches, faire avancer les nouveaux concepts. Et donc la recherche paramédicale va être intéressante à ce niveau-là. On va aussi s'investir en tant que soignant éducateur dans les différentes sociétés savantes, afin de définir des référentiels et des pratiques qui vont s'adapter aux différentes structures. Il est pour cela important de déterminer les besoins, les milieux, les structures, la population. Tous ces éléments-là vont pouvoir montrer et démontrer la place essentielle du soignant éducateur au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Un soignant seul pourra peut-être mener un petit peu d'éducation, mais il sera vite démuni pour pouvoir répondre à la multiplicité des besoins. Et pour finir, il me semble que cette place que vous m'avez donnée aujourd'hui, cette place d'oratrice, est essentielle aussi aux soignants éducateurs, c'est-à-dire qu'il faut échanger et parler. Parler du rôle des soignants éducateurs, de la place que l'on peut prendre, de l'élément que l'on peut ajouter au parcours de soins, et puis à cette collaboration qui se structure au sein des parcours de soins. Donc pour moi, la place de l'éducateur, il est au cœur de la prise en charge des patients vivant avec un diabète. Et c'est aussi auprès des patients qu'il faut, pour certains, expliquer cette nouvelle posture de soignant-éducateur, où on n'est pas dans la détermination seulement du soin curatif, mais aussi du soin éducatif. Si on reprend toutes ces places, tous ces éléments qui ont donner multiples visages à la place du soignant-éducateur dans une équipe pluridisciplinaire, eh bien, on va retrouver tous ces éléments et ces mains dans la main avec les différentes structures, les différentes instances, les différents profils de patients, qu'on va faire avancer la place du soignant-éducateur dans une équipe pluridisciplinaire. On ne peut pas, à mon sens, envisager une prise en charge sans collaboration et sans appliquer cette posture de soignant-éducateur, dire prendre place à côté du patient. J'illustrerai mes propos avec cette vision un petit peu multidimensionnelle, essentielle de la place du soignant-éducateur. C'est prendre une lunette un petit peu particulière pour regarder
regarder dans l'espace toutes les possibilités et permettre à chacun d'évoluer en fonction de son milieu, son territoire, ses croyances, ses capacités aussi, personnelles et individuelles, pour prendre soin de lui. C'est surtout les patients pour lesquels on va ouvrir notre regard et porter un regard différent sur le soin. Donc ce regard, vous pouvez l'utiliser, regarder au travers du noir, au travers du ciel, très très loin, et envisager peut-être une collaboration encore plus innovante, comme si on avait envie que demain, on soit déjà en train de monter dans la fusée et comme des spationautes. On pourrait faire de multiples choses en apesanteur. Eh bien, écoutez, il me semble que les évolutions des soins aujourd'hui nous laissent à penser que tout est possible. Donc, la place, elle n'est pas unique. J'aurais rajouté à ce titre de mon propos un S pour dire qu'il y a énormément de place pour le soignant éducateur et que peut-être à chacun, en fonction de son équipe, il est à construire, elles sont à construire ces places. Et qu'elles sont essentielles au cœur de la pratique. Je vous remercie encore de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma vision de la place du soignant-éducateur au sein d'une équipe. On aurait pu en parler encore plus longtemps. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée et un bon congrès virtuel.